m'appelle Natalia et je suis heureuse d'être votre professeur de français 3. Uno, sûrement apprendre le français, mais aussi connaître les valeurs. Et pour commencer, chacun dira son nom et un hobby. Moi, bonjour, je m'appelle Salma Lozano et j'aime lire des livres d'histoire. Merci. Qui a dit ça? La première règle de cette classe est respecter les autres. Vous présentez les messieurs. D'accord, désolé. Je m'appelle Emiliano et je n'aime pas suivre les règles. Je m'appelle Luisa et j'aime prendre et être une bonne personne. Très bien. Ravi de vous rencontrer pour savoir quel niveau de français vous avez. Vous allez faire un test. Vous pouvez commencer. C'est fini. Merci. Salma. Merci. Emiliano. Merci. Merci Salma. Je te copie tout. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bonjour, comment ça va? Je vais donner votre qualification de votre examen. Luisa, 90. Salma, 100. Et Emiliano, 0. Quoi? Pourquoi, madame? Pourquoi? Félicitations, Salma. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Emiliano! Désolé, Salma, c'est un accident. Madame, oui. Je peux aller aux toilettes? Oui. Emiliano, ne fais pas ça. Ah, d'accord. Ne soyez bien. D'accord. Non, mon devoir! Qui c'était? Emiliano, que fais-tu? Rien, madame. Pourquoi tu as fait ça? Donnez-moi. Une punition pour demain. Fais une rédaction de 1000 mots de ne pas manquer de respect à vos compagnons. D'accord, madame. Désolé. Emiliano, qu'est-ce qui t'arrive? Le devoir de Salma, c'est mûr à cause de toi, Paul. Ce n'était pour moi. Tu devras en apprendre davantage pour respecter les gens et être empathique. Pour ta part, elle devra refaire son travail à chez elle. C'est juste un jour. Calme-toi, tout va bien. Non, mais si ça arrive. Une réaction de 1000 mots et backup, je ne vais pas finir. Allez, allez! Il reste 3 minutes, je suis arrivé. D'accord, je vous passe la liste. Luisa Carrion. Présent. Ah, très bien. Emiliano? Présent, madame. Oh, oui, c'est la rédaction. Merci. Oui, très bien, très responsable. Merci, madame. Veuillez continuer à faire l'appel. Salma? Salma? Je pense que ça ne prend pas longtemps. Salma ne a jamais manqué un cours. Je peux entrer? Oui. Oh mon Dieu, est-ce qu'il
¿Cómo se va? Estaba bien. Yo soy un fractur de mon pie. Du mont de alerches mon. Por le trabajo que amoye Emiliano. Desolé de tres en retard. Mais un jeep verb et regar a le troy pour les personnes handicapées. Emiliano, tu has desolé de jeep verb el take. Tu has repetido le plus a handicaps. Emiliano, nous devons parler très sérieusement avec toi. Voyons tout ce que tu as fait ces derniers jours. Madame, je n'ai rien fait. Tu te souviens quand tu ne respectais pas Salma le premier jour? Ou quand tu voulais le test de Salma? C'était involontairement. J'étais aussi surprise en mangeant. T'espernuter, c'est pourquoi Salma a dû entrer chez elle et s'est fracturé les pieds. Et tu ne respectais pas la place réservée aux handicaps. Emiliano, qu'est-ce qui t'arrive? Où sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs? Toutes les personnes au Mexique n'ont de valeurs. Pour les gens comme toi, si tu veux changer au Mexique, commencez pour changer toi-même. Emiliano, m'a fait me sentir mal depuis le premier jour, mais je sais que tu es une bonne personne. Vous avez raison, il se montre vraiment réfléchir et si tout va mal. Emiliano, tu dois te mettre à la place de l'autre. Tu dois être empathique. Vous devez également renforcer vos valeurs. Mais quelles valeurs? En primer lieu, le respect de autres, c'est le value plus important. La honnêteté et la responsabilité. Suivez les règles, toujours. Vois-tu que toutes les personnes du Mexique sont comme ça? D'accord, oui, bien sûr. Je me sens très mal à propos de tout ce que j'ai fait. Et merci de m'avoir ouvert les yeux. Salma, et je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi. D'accord, Emiliano. Ne t'inquiète pas. C'est bien que tu ailles changer.